Salut tout le monde, c'est Flamlican et on se retrouve aujourd'hui sur Skyrim en compagnie de moi-même et de personne d'autre. C'est triste à dire, je suis seul et il y a déjà des ennemis qui veulent me faire la peau. Je t'ai mis une esquive sale. Skiver, qu'est-ce qu'un skiver? Je sais pas, mais en tout cas, il est mort. Il y en a un deuxième dans les parages. Où est-ce qu'il se cache? Spider, oh une araignée, j'aime pas les araignées du tout. Oh là ça. Ouais, c'est génial! J'ai eu peur là. J'ai flippé ma maman. Bon, il y a quelques petits lags au début. Mais ça semble relativement fluide. Très bien. Donc, on avait buté tout le monde dans la maison qui cachait la grotte magique. Pourquoi j'ai un point là-bas? C'est quelle mission ça? Adressez-vous à Alvor à Rivebois. Non, je refuse. De copie, nanana, ça c'est les quêtes qui viennent avec les mods, donc on va pas les faire. J'ai vu une grotte par là, on va l'explorer un peu. C'est quoi ça? Oh mais j'en ai marre. J'espère que toutes les animations elles vont pas bugger comme ça. Ah oui, il y a carrément un... Oh lui, il va me tuer si je ne m'enfuis pas. Il fait trop mal. Merde. Je peux pas l'utiliser. Bon bah je vais utiliser la technique de je me planque dans la maison en attendant que ça passe. Parce que là... Ah la frayeur. Machin il est tout petit, il fait aussi mal. Je vais juste en profiter pour récupérer un peu la vie. Et peut-être qu'avec deux épées, ça presserait mieux qu'avec une seule. Ce chargement, merci. Bon, à la limite, les chargements, je vais les couper. On attend une heure. Hop. Voilà qui est fait. Je vais juste équiper ma deuxième épée. Épée de fer. Left, right. Motherfucker. Hache de fer. Masse de fer. On va l'équiper sur la main droite. Ok. Avec ça, ça devrait passer. Espérons. S'il est toujours sur le chemin. Et oui, il faudra que je pense aussi à appliquer un filtre, parce que j'ai regardé la dernière vidéo dans la grotte et on voit absolument que dalle. C'est un mode qui était installé, il est où? Il est où? Il est revenu. Super mal. C'est un truc de malade. Potion de soin léger, heureusement j'ai ce qu'il faut. Allez, voilà, finish dans ta face. Donne-moi ta peau. Donc c'est considéré comme des smilodons. Donc d'accord. C'est bon à savoir. Donc ça, c'est ce que je vous parlais dans le premier épisode, je crois. Le Monster Mode. Où il y a plein de monstres qui ont été rajoutés, donc se balader la nuit, c'est un peu plus galère maintenant. Une cabane abandonnée, du sang partout. Ok. Et merde, c'est quoi ça? C'est une araignée? C'est quoi? C'est un loup qui est mort. Ouais, et il y avait une araignée, j'avais bien entendu. Oh putain, elle m'a mis un shot de tellement loin. Je sais pas qu'est-ce qu'elle tapait, mais... Elle tapait rien. Complètement buggé, ce jeu. Bugtesda, comme dirait quelqu'un que je connais bien. On se repose pour le petit bonus. Là-dessus, il y a quoi? Note aux autorités. J'avais bien entendu parler des dragons, mais je n'y croyais pas jusqu'à maintenant. Il y en a un qui est passé dans le ciel la semaine dernière, et depuis, je l'ai vu tourner autour d'un pic montagneux non loin d'ici. Ma femme pense que nous devrions partir d'ici, aller vivre ailleurs, mais je lui ai répondu que c'était ridicule. Tant que nous ne l'énervons pas, il nous laissera tranquille. Cela dit, il vaudrait mieux en parler aux autorités locales. L'antre de la créature se trouve juste au sud de la colline derrière notre cabane, près de la scierie de la grotte de l'ours. Ok. Bah, attends, je vais le prendre. Il est fou de la crevasse. Je le prends.
comprend absolument tout. La lanterne, je la prends aussi. C'est toujours plus classe qu'une torche. Donc, au sud de la colline derrière nous. Sud, c'est... Ok. D'accord. Donc, il y a la tête de dragon, donc c'est indiqué. C'est vachement pratique. Une grotte. Une grotte qui nous conduira quelque part, je l'espère. Ah, ok. Grotte qui nous conduira chez le dragon, je pense. Passage d'os froid. Très bien. Passons mode furtif. Ouh, je viens d'apprendre qu'on a dépassé les 400 vues sur la chaîne, dont une bonne centaine de nous-mêmes, je pense. Chaque fois qu'on modifie une vidéo. Alors. Mode sniper. Et reviens là, toi, le loup. Voilà. Peau de loup. Toi, tu es mort. Sur les fourrures, masse d'acier. Ça va m'être très utile. Masse de fer. Et donc, de l'autre côté, je vais mettre la masse d'acier. Et toi, la masse de fer. Ok. Déjà avec ça. Potion de soin léger. Rien d'autre par ici. La peau de loup. Ah si, un cadavre et une bourse. Je vais passer à côté d'argent quand même, les gars. Un minimum de savoir-vivre. Heavy armor. On le jette. On le jette. Donc toi, t'es complètement mort. Ok. Ok. Il y a un putain d'ours de merde. Est-ce que je vais arriver à l'avoir? Ça va être le challenge. F5. Oh oui. Merde. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Montre-toi. Passer devant, j'espère. Parce que si j'y vais, là, je suis complètement mort. Je vais mettre une flèche dans les fesses. Allez, on vise les fesses. Et c'est parti. Je suis en fertilité absolue. Ah mais, est-ce qu'il peut passer? Je crois qu'il est bloqué. Voilà au point où on en est. On va charger comme un porc. Enfin, je vais charger comme un porc. Voilà, double masse. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah, je récupère pas mal de mes flèches en plus, ça fait plaisir. Pas un truc à récupérer. Cadavre. De l'or. C'est toujours mieux que rien. Bon. On avance. Il y a un niveau à prendre, c'est bon à savoir ça. Si je me retrouve dans de problématiques embrouilles. Eh merde, je me suis fait griller. Ils font trop mal, mais c'est quoi ce délire? Je veux bien être en difficile, mais là c'est du hardcore. conjuration, je vais l'augmenter. Vous saurez pourquoi très bientôt. Mais ils vont me démonter en fait. J'ai pas le niveau encore. Faut que je les retente, mais il y en a un qui est mort. Putain, oh putain. Heureusement qu'ils peuvent pas passer les choses comme ça. Putain, j'ai la pression maintenant. On va prendre l'arc. En espérant les avoir par surprise. Ah, il y en a un qui est mort.
Mais comment il a fait pour mourir ce con? Ah, il s'est peut-être pris l'attaque de l'autre, ok. Donc là, on y va furtivement. Les fesses, ça fait toujours plus mal. Voilà, coup de pied, coup de masse. C'est réglé. Donc oui, la conjuration, je l'ai augmentée parce que je vais m'en aller voir les braves mages de Fort d'Hiver. Pas de dragon. Non. J'ai pas vu le premier dragon, donc normalement les dragons, ils spawnent pas encore. Donc je vais aller voir les mages de Fort d'Hiver pour apprendre la technique de conjuration des épées. Parce que les épées qu'on conjure, amulet de Bakato, ça fait plaisir. Ok, d'acier, je m'en fous. Feu atténué. Spirituel. Ok. Parce que les épées qu'on invoque, c'est des épées avec les stats des draps, je crois. Tout simplement. Et que ça fait très mal. Et très plaisir. Ok, donc pas de dragon à buter ici. Quand même des grands paysages. Ouais, avec cette vue là, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Oui, je m'extasie devant ce jeu encore. En attendant la version online, parce que oui, il va y avoir une version online, c'est mais pas de Skyrim. Ce sera The Elder Scrolls Online, mais bon. Je pense que tous les fans en auront entendu parler depuis longtemps. C'est pour les néophytes que je dis ça. Donc une grotte par ici. Est-ce que ça va être dur ou est-ce que ça va être simple? J'espère pas tomber sur trop de monstres. Le pire là qui puisse m'arriver, c'est... C'est quoi ça? Ça c'est quoi? C'est un peu comme bestiole ça. Oh, un loup ça va. Mais l'eau des glaces là, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai pas compris pourquoi d'ailleurs j'ai eu autant de mal. Vu qu'il y en a un qui s'est suicidé en plus, j'avais dû lui faire des dégâts. Sans le savoir, bien sûr. C'est toute la puissance d'un Dova, ça. Ouh, le cadavre. Une bourse. Il a les bourses pleines. Mouah. Allez. Mission. Infiltration. Et Loki qui vient de rater une action tellement ouf sur... Il s'est fait voler son overkill, me dit-il, sur Halo 4. C'est absolument inadmissible. Est-ce que j'ai une pioche? Je crois que j'avais ramassé une pioche. Ouais. Ah tiens, j'ai pas regardé ça dans notre grotte. Mais non, c'était que de la glace, ouais. Ça va un peu lentement. Ok. Allez, on va essayer de se le faire du premier coup. Raté. Ah voilà. Une bonne chose de faite. Par contre là-bas il y a un bébé ours. J'espère qu'il n'y a pas papa ours ou maman ours. Sinon je vais avoir des problèmes avec petit ours brun. Ok. On récupère ça. Ok, il avait buté quelqu'un. Un bandit, le mécréant. Il n'y a pas grand chose sur lui. Hein. Toi, par contre, je récupère ta peau. Rien par ici. Là-bas, il y a du loup. Bon, normalement, j'ai récupéré ma compétence entre les deux yeux. Ah non, mal visé. Entre les deux rien. Ah, je l'ai raté.
C'est dommage que les caméras des fois fassent nimp. Parce que là, filmer du caillou pendant un shot aussi magnifique, c'est un délit. Et je peux pas récupérer ma flèche, c'est génial. Ok. Bon, apparemment c'est la fin de la grotte ici. Filon de d'or. Ouh. Ça va faire monter la forge, ça c'est bien. Oui, donc je ferai un épisode, je pense, 100% forge, etc. en accéléré. Enfin, je mettrai sûrement une annotation ou un truc comme ça. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Deuxième pioche, on s'en fout, on la prend. Flèche orc, normal. Et là-dedans, il y a que dalle. Bon, on se casse d'ici. À pleine vitesse. Nanana. Ouais, parce que le but du jeu, c'est un peu quand même d'aller assez vite, prendre des niveaux. Pour ensuite éviter de ramer comme ça. Et pour ensuite aller buter du vampire dans l'extension. Dans Dawnguard. Avec mon accent absolument irréprochable. Ok, donc ça c'est quoi? Ça c'est... Ok, c'est la ville du début, je sais plus comment elle s'appelle. Et donc j'ai dit que je serais côté impérial. Oui. Parce que j'ai un personnage impérial. Allez, oh, raté. Je vais bien trouver une porte quelque part. Bah voilà. Les oiseaux gazouillent, tout est en feu. Alors, est-ce qu'il y a des petites choses à récupérer quelque part? Étant donné que la première fois j'avais les mains liées. Par ici, il y a quoi? Il y a un mur, c'est génial. Petite exploration. Hein. Parce qu'il me semble que j'étais déjà venu ici une fois sur une partie et il y avait eu des brigands. Les vilains. Il va falloir que je m'achète un cheval aussi. Ça peut être utile. Donc là, on refait le même chemin que la première fois. Patati patata. Sauf qu'il y a une tour là-bas. On va aller voir. Ça, je sais pas ce que c'est. On va aller voir ça en premier. Je ne connais pas ce logo. Et on va faire de la cueillette tout le long. Yep. J'aime les fleurs. Un tertre. Oh, ça c'est bon ça. Bon, direct. Petit renard, je ne vais pas te tuer. Il fait des bruits bizarres quand même, hein, ce machin. Bah. On dirait qu'il va décéder à tout moment. Et pour monter là-haut, ça va être un peu la merde. Ça va être carrément impossible même. Je vais me péter une jambe. Y'a quoi là? J'ai entendu un bruit. C'est quoi ça? Feu follet. Je vais buter toi. C'est toi que je veux tuer. Lucerne. Ça lui fait rien. Prends pas des dégâts. Un putain de bug de texture de map là, je ne sais quoi. Voilà. Et je vais décéder. C'est génial. C'est génial. Elle me met un coup, je suis mort. J'ai pas un truc qui me protège de la glace là-dedans. Feu. Capuchon novice, on s'en fout. Non, j'ai que dalle.
Ok, donc je suis dans la merde. Il va falloir que je m'enfuis. Allez, cours. Cours pour sauver ta vie. Pourquoi il sprinte pas? C'est quoi ces trucs? C'est quoi ces trucs? Hop là. Est-ce que je suis sorti de son champ d'action? Non, elle est toujours derrière moi. Tant que je vois son nom, moi j'avance. Je suis une grosse tapette. Mais elle est toujours là? Mais faut arrêter les gars. Je suis dans une contrée chaude, tu peux pas venir. Donc la lucerne a fait très mal. Chose à savoir. Je saurais qu'il faut pas aller la faire chier. Alors toujours rester vigilant. Hein. Ah c'est peut-être à cause du monster mode. J'ai dit toujours rester vigilant, le truc il m'attaque. Allez, saloperie. Non, tu me mets pas de feinte. C'est quoi ça? Pourquoi il y a 10 000 trucs maintenant? C'est la lucerne qui veut revenir me tuer? J'aime bien comment il avance, mais c'est pas joli avec ça. Rocher orphelin. Très bien, et qu'est-ce qu'il y a ici? Y'a rien. Ok. Au moins, il y a un tertre à côté. Et la lucerne qui me cherche toujours. Mais je comprends pas pourquoi. Comment elle me voit? Qu'est-ce qui fait que... C'est un délire absolument... Absolument délire. Allez, viens là, toi. Couché. Je prends ta queue. Oui. Ça n'a aucune connotation. Zoophile. Oh putain, ils sont nombreux. Voilà, je te mets un finish. Ah, il y en a un qui envoie des éclairs. Il est comme ça. Vas-y, sors de la gare. Boum, je te mets un finish dans les dents. L'autre, j'esquive sa flèche. Et maintenant, je vais rusher sur elle. Allez, un finish. T'éclaboussera la neige de ton sang et rien d'autre. Arzil Transnierzlerxie. Ok, on va essayer de voir ce qu'il y a dedans. Alors, ça s'appelle Arzil Transnierzlerxie. C'est facile à retenir. Est-ce que ça déclenche quelque chose? Auteur anonyme. Ouais, donc c'est un Khajiit qui l'a écrit. Ok. Et il a écrit un putain de bouquin. Toi, qu'est-ce que tu vas me donner? Un bandit habillé en sombrage. Non, il est habillé en bandit. Autant pour moi. Flèche de fer. Côtelette de venaison, ça peut toujours servir. Farine d'os et de l'or. Dormir une heure. Vous vous réveillez en pleine forme. Très bien! Non, je voulais pas la shop, je voulais la bourse. Cuisse de lapin. Livre jaune des devinettes, on s'en fout un peu. Y'a rien dedans. Ok. Et à partir de là, y'a quoi là? Y'a un truc sur le... Je l'active. Cela ne fonctionne pas. Il doit y avoir un objet spécial, un objet de quête à mettre dessus. Et l'autre là qui me voit toujours, il y a toujours les points rouges, c'est hallucinant. Elle a une portée de repérage. Voilà, pour la peine, j'ai disparu dans les profondeurs abyssales. Alors. En jugé par les matelas, il y a quelqu'un. Et là, il y a quelqu'un, effectivement. Dans la tête. Non, pas dans la tête.
Oh, oh l'esquive qu'elle m'a mis. Allez. Voilà. Bah, m'a mis une esquive, mais la cinématique s'est quand même déclenchée, quoi. Joli. Bien joué, petit archer. Mais tu es mort. Tu es morte. Alors, que l'enchère humaine, tac, 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 on prend l'or. L'or, c'est le plus important. Est-ce que je peux récupérer ma flèche? Merci. Un piège, merci. Un deuxième piège, non, merci. Piège, piège, pas piège. Crochetage. On va éviter que c'est... Voilà, on va attendre que ça rame plus. Parce que du crochetage, quand ça rame, c'est la merde. Ramure de cuir. Ah, joli. Je vais la prendre, tiens. Je transporte trop de choses. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Ça faisait bien longtemps. Alors, assiette en bois déjà. On s'en fout. Bougie argentée, si, ça fait quand même... Ça, ça pèse rien. La chope, on s'en fout. Crochet, on en a besoin. Lanterne. La torche, elle, elle pèse combien? La lanterne, elle fait 2. La torche, elle fait 0,5. Ah, je vais peut-être garder la torche, alors. Lanterne, tu dégages. Il va falloir que je récupère mon lingot. Qui est là. Donc, tenue. Qu'est-ce qui va pas me servir? Alors là-dedans, il y a plein de trucs qui servent pas. Est-ce que j'ai une amulette? J'ai l'amulette d'Akatosh. Ok, régénération magique, celle-là, je la garde au cas où. Armure de cuir, elle fait combien? 29. Celle-là, elle fait... Ok. Bandage de pied, on les vire. Celle-là, on la vire aussi. Bouclier, armure lourde, armure légère. J'ai déjà une cape, donc celle-là, on peut les virer. Ça, ça va servir pour le désenchantement. Casque impérial léger, on le vire. Black hide, ok. Brown, c'est moche. Grey, on garde au cas où. Ça, ça veut de l'argent. Gantelet de fourrure. 6 d'armure. Et j'ai pas... Ah si, j'ai gantelet en cuir. Ils font 8. Très bien, donc les gantelets de fourrure, on les vire. Nanana, voler. On s'en fout que ce soit volé. De novice, il veut un éclair, survivor. Oh, celui-là il est cheaté, donc on va virer. C'est avec un mode, donc on va virer. Tunique de jute, on vire. Ok. Dans les potions, il n'y a pas beaucoup. Nourriture, là par contre, restaure un point de santé, c'est de la merde. Côtelette de venaison, restaure 5 points de santé. Si on va garder, on va garder. Ouais, dans la bouffe, je vais garder, je pense. Ingrédients, ben voilà. On va goûter un peu tout ça. Histoire d'être calé en alchimie, de pouvoir se faire des petites potions qui font plaisir. Voilà. Je vais avoir 10 000 effets négatifs. Celui-là, à la limite, on le garde. Celui-là, il y en a plein. Ok. Clé, ça pèse rien. Je suis à 280 quand même, quoi. D'où ça peut venir? Ah, les pots, putain. Évidemment, ça peut pas venir d'ailleurs. Les pots, ça coûte la peau du cul. Ah, blague de merde. Mais involontaire. Une bourse, très bien. Ah, ça, ça va me servir. À savoir que quand on augmente l'endurance, ça augmente le... le port qu'on peut, enfin le poids total qu'on peut porter. Donc le niveau, je vais le mettre là-dessus juste après. J'aime pas ça, c'est des moules. Moules, bonjour. J'ai les lèvres gercées. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'attends l'araignée. Oh, elle est là. Putain, je l'avais pas vue. Oh, une géante en plus. Je crois qu'on va dégager vite fait. Mais je lui fais aucun dégât, quoi. Avec quoi je pourrais l'attaquer? Avec quoi pourrais-je bien l'attaquer? Autre que mes petites flèches de caca. Elle est buggée ou?
Ouais, je crois. Mais c'est cool. Ah non, elle arrive. Oh putain, oh putain, oh putain. J'attends 3 secondes. 1, 2, 3. Et je charge. Pas. Je me fais dessus là. Je déteste les araignées. Allez, viens. Viens me chercher. Parce que là, je peux pas me permettre de rusher comme un malade. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et si c'est pas clair, bah c'est pareil. Il regagne sa vie, la saleté. Et doucement. Putain, elle a redescendu tout en bas. C'est chiant qu'il n'y ait pas la localisation des dégâts, parce qu'une flèche entre les deux yeux... Elle est buggée, là. Oh là, elle est buggée. Oh, j'en profite. Un finish à l'arc, un finish. Oh, dommage. Je m'attendais à avoir le petit... La petite animation sympathique. Elles sont dégueulasses, ces derniers. Rien que comme ça, je peux pas. C'est physiquement impossible. Nous sommes pas faits l'un pour l'autre. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Ça sent le piège, ces trucs-là. Plusieurs, où est-ce qu'ils vont? Okay, lui s'arrête là, l'autre, où est-ce qu'il va? Oui, parce que je suis un ninja, j'observe les gens. Donc le deuxième semble être plus faible, puisqu'elle n'a pas de bouclier. Donc on va lui mettre une flèche dans les... J'ai rien dit. Ok, une morte. Allez, à toi. Je suis obligé de straffer, désolé, hein, c'est un peu dégueulasse au niveau. Hein. Au niveau à regarder. Et toi, tu es mort. Chou, 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 chou. Bla. Bla. On voit rien, mais c'est pas grave. On a compris que c'était stylé. Flèche de fer. Tic, 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 tic. Sur toi, qu'est-ce que je peux récupérer? Bouclier à bande, c'est un peu lourd. Faire de l'or. Non. Alors à quoi il ressemble mon gars avec son armure? Bah c'est pas trop mal, il y a juste les bottes qu'il faudra changer. Hein. Ça le fait pas. Piège, piège, piège. Voilà. Une bonne chose de faite. Améthyste, gemme spirituelle. Oh, c'était un bon coffre ça. On va repasser en furtif. Il y avait un truc à ramasser là. Non. N'était-ce que mon imagination? Je pense que c'est ça. Espérons qu'il n'y ait personne derrière moi. Ça met la pression. On récolte, on récolte. Ce que l'on sème. Et oui. Par ici. Ouvrir sur bord de ciel, très bien. Et j'arrive où là? Akatosh est le dieu du temps et le chef des neuf divins. On le représente sous la forme d'un dragon, forme qu'il a choisi pour combattre Merunes Dagon lors de la crise d'Oblivion. Il est beau Akatosh. Cap Célestial. C'est pas là où il y avait la salope. Oh putain, c'est là qu'il y avait la lucerne. On va y aller en douceur. On va fouiller et on va se casser en se téléportant ailleurs.
Parce que là, je vais mourir, mais bien comme il faut. Ça lag à mort. Allez, on va essayer de se faire le coffre avec le lag. Oula, 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 oula. C'est fait. Je crois que je vais m'arrêter là, après cette grotte et ces choses-là. Parce que ça lag un peu trop. Voilà, donc c'est sur cette ville dévastée que l'on peut voir au loin que l'on va se quitter. Et pas ma chute, non, on va éviter de mourir. Et donc je vous dis à très bientôt sur Score Retribution. On va essayer de buter de la Lucerne. Et d'aller par là. Très bien. Bisous, bye bye.